Good evening, brothers and sisters, friends and acquaintances from the whole world. We are happy to have you on this new edition of our Christian Table Talk every Wednesday from 8 p.m. It is the past editions have been a great blessing for us and also for the people who were viewing, and we've gone through many interesting topics which were a great challenge for us to get closer to the Lord and to also reconsider some of our priorities. So we have the privilege to have a new session, a new topic today, which is also interesting as all the former ones. Bonsoir frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur cette plateforme de table ronde chrétienne. Nous espérons que vous avez jusqu'ici une bonne semaine et que le Seigneur a été votre soutien et votre force. Alors c'est une nouvelle édition où nous avons également prévu un nouveau thème avec de nouvelles questions, où nous voulons tout simplement encore aller en profondeur dans la parole de Dieu pour essayer d'explorer tous ces aspects parfois qui nous sommes parfois très inconnus ou bien qui sont très nouveaux dans nos vies respectives. Alors les éditions passées ont été de grandes bénédictions pour nous, également pour ceux qui ont écouté, et nous espérons que celle-ci sera de même une bénédiction. Alors, nous avons le privilège également, comme à l'accoutumée, d'avoir notre invité qui ne se présente plus, le pasteur. Le pasteur Patrick Sop. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, sœur Elvie. I hope you're doing fine. Je vais bien par la grâce de Dieu, j'espère toi aussi. We praise God. Everything is wonderful with the Lord. Amen. Amen. So, pastor, we have a new topic today. And we hope you're prepared. Let's see. Amen. So without wasting much time, I will just present the new topic. It's actually a social network, a blessing or a stumbling block for the Christian. Et en français, c'est réseaux sociaux, bénédiction ou pierre d'achoppement pour le chrétien. So this is a topic which is actually very current, and I think almost all of us are present on social media, and I think that it's important that we kind of consider this point of view from a biblical perspective. So, Pastor, I have prepared some questions, and I think we can start with a word of prayer, first of all. Seigneur Dieu, Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu nous inspires ce soir, que tu ouvres nos cœurs, Père éternel, que nous puissions te recevoir, recevoir ta parole, Seigneur, avec beaucoup d'humilité. Seigneur, aussi que ta parole puisse nous enseigner, nous corriger, mais aussi nous réconforter. Seigneur, sois béni, sois magnifié au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis tous ceux qui vont écouter ce message, cette émission, au nom puissant de Jésus. Amen. So, Pastor, I will first of all start with my first question, and it is, if you are using social network, ça, c'est une très belle question. This is a beautiful question. Je dois avouer un peu avec, je ne vais pas dire avec regret, mais je dois avouer que je suis très lent à suivre la nouvelle technologie. Okay, I have to admit that I'm very slow in coping with the speed at which new technologies evolve. Mais c'est difficile de nos jours de ne pas être sur les réseaux sociaux. But it's quite impossible or difficult for someone who is living in these days not to have a social network account. Okay, donc on va dire je suis sur les réseaux sociaux. So j'ai un compte Facebook, Instagram. So to answer your question, I do have a Facebook account and an Instagram account. Uh-huh. Et d'une manière générale, j'essaie de m'y habituer. And in a general way, I try to get used to it. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Yes. So that's a good good answer, Pastor. So from your use of social media, and that's the reason why I first of all personalized the question. Do you see any danger in the use of social networks or in the use of new technologies for a child of God? Can you say that it is the candidate, there is a risk for our relationship with the Lord when we are using all those tools? Est-ce qu'il y a un danger à pour un enfant de Dieu avec les réseaux sociaux? Certainement, hein? Certainement, il y a un danger.
N'est-ce pas? Mais avant d'entrer dans le danger, je veux toujours expliquer certaines choses. Okay, so the question was actually if there is there any danger or risk for a child of God to be on social media? Yes, there are some risks, there are some dangers, and I will try to first of all lay some foundation before I answer the question. Donc, les réseaux sociaux a ouvert une nouvelle horizon en fait hein, de communication. Okay, so social network kind of create a new way of communication. Dans un sens, c'est pas mauvais. And in one sense, it is not bad at all. Mais nous devons toujours faire attention à se dire qu'il y a une différence entre la réalité et le virtuel. Okay, and but we always need to keep in mind that there is a difference between reality and what is virtual. On va élaborer peut-être au fur et à mesure les dangers. And we will get into the details of the dangers that new technologies represent in the course of the talk. Mais la réalité, elle est que le virtuel et le naturel. Il faut faire un peu attention de ne pas mixer les deux. Okay, so the point or the very important factor to consider here is not to get mixed up between what is the reality and what is virtual. Amen. Amen. Et il y a aussi ce qu'on appelle la sélection. And it is we must also be willing to kind of select. Parce que nous disons que il y a peut-être qu'il faut dire Jean 17 au verset 15 et 16 dit peut-être je vais commencer par là. In John 17, verse 15 to 16, it is written, let's start with that. Je ne te prie pas de ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. John 17, verse 15 to 16, I pray not that thou shouldest take them out of the world, but thou shouldest keep them from the evil. They are not of the world, even as I am not of the world. C'est-à-dire que nous ne sommes pas ôtés du monde. Okay, this simply means that we are not yet out of the world, or so to say, we are not taken out of the world. Nous vivons dans le monde. We still live in the world. Mais nous devons être protégés du monde. But we need to keep our boundaries with the world. Les réseaux sociaux. So social networks. Étaient un outil premièrement du monde. Are tools are tools of the world. Donc qu'on le veuille ou pas. Whether we like it or not. Ça nous affecte. It affects us in one way or the other. Amen. Amen. Mais maintenant, le problème, c'est comment est-ce qu'on s'en protège? Okay, but the next question will be how do we keep ourselves from the dangers of social networks? Mais pour se protéger, il faut comprendre quels sont les dangers. But before we come to the point of how do you keep yourself safe from the negative influence of social media, we first of all need to understand what are those dangers. Et quel était l'objectif des créateurs des réseaux sociaux? What were the motivations of the people who created social media? Par exemple, comment est né Facebook? How was Facebook born, so to say, created? Zuckerberg était un universitaire très timide. Zuckerberg was a very shy academic. So, donc il était brillant mais très solitaire. He was very smart but he was also very shy. Donc Facebook est né d'une idée simple, il voulait se connecter avec les autres. And Facebook was created from a very simple idea, the idea of connecting each other. Twitter est parti d'une idée simple, il faut que l'information soit rapide. Okay, and Twitter was created with the purpose of spreading of information. Amen. Amen. Donc le résultat c'est quoi? C'est que même si la création d'un outil va d'une bonne intention. So the point is that even if the motivation behind the creation of a tool or of a new technology, it's pure one. Le IA, on arrive très vite aux abus. We cannot avoid that this is misused. Donc Facebook aujourd'hui n'est pas là simplement pour connecter les gens. So nowadays people do not only use Facebook to connect with each other. Mais ils utilisent plus Facebook pour comme un outil d'exhibitionnisme. Okay, but Facebook pour se faire voir. Yes, Facebook has turned into a tool to kind of exhibit or to kind of show off. Amen. Mm-hmm. Luc 11 au verset 43 et Philippiens 2 au verset 3. Luke chapter 11 verse 43
And Philippians 2 verse 3. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Amen. Amen. Ne faites rien par un esprit de parti ou par une vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns les autres au-dessus de vous-même. Les autres comme étant au-dessus de vous-même. Dans Luc 11 au chapitre 43, Jésus-Christ parle aussi des pharisiens qui se faisaient voir. In Luke chapter 11 verse 43, Jesus addresses the topic of the Pharisees who did things to show off. La vérité aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux sont plus devenus un instrument d'exhibitionnisme. Okay, so the truth is that nowadays social networks are used with the purpose of showing off. Et l'exhibitionnisme, quand on veut s'exhiber, on s'exhibe avec ce qu'on croit être un atout pour nous. Okay, and when people want to show off, they usually try to show off something that the thing that is of interest to them. Donc c'est pour ça qu'on a des dérives terribles. And that's why people are kind of lured away. Donc c'est là le premier danger. And that's the first danger. Le premier danger, c'est que ça devient, les réseaux sociaux sont tellement virtuels et tellement superficiels. Okay, so the first danger is that social networks are very virtual and very superficial. Amen. Yeah. Et parfois aussi les enfants de Dieu s'y piquent. Yes, and sometimes children of God also get caught into this virtualism and also this superficiality, this shallowness. Rappelons-nous toujours que Dieu a un agenda, le diable a un autre contraire. And we also need to keep in mind, we always need to keep in mind that the same as God has a plan, the devil also has a plot. Amen. Amen. Donc, les réseaux sociaux. So social networks. À travers les réseaux sociaux, l'agenda du diable, c'est d'ouvrir, de nous ouvrir sur le monde, de nous garder dans le monde. Yeah. So the agenda of the devil through social media is to keep us kind of bound to the world. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Although we live in the world, we should not be of the world. We are not of the world. Le diable veut pervertir notre pensée, notre âme, notre cœur au travers des réseaux sociaux. And the devil intends to soil or to kind of defile our hearts, our mind and our bodies through the use of social networks. Mais d'un autre côté, les réseaux sociaux peuvent être un bon outil d'évangélisation. But on the other hand, social network be an adequate tool of evangelization or outreach. Amen. Amen. Donc il faut toujours faire la balance. So we need to really have a balance. Donc il y a un danger quand on devient addict des réseaux sociaux. So the danger lies also in the fact that it can make you addicted. La Bible dit que l'excès de tout nuit. Bible says that everything that is done without measure or which is done in an excessive way is harmful. Amen. Amen. Donc même si je mange à l'excès sa nuit. So even if I eat and I eat in without measure, in an excessive way, it will be harmful. Donc, la consommation excessive des réseaux sociaux est nuisible pour un enfant de Dieu. So the same is that if for a child of God who spends too much time on social media, this will become harmful to his soul. La sélection, si je ne sais pas faire la sélection dans les réseaux sociaux, ça devient un danger. And if I'm not able to wisely choose what I can look on social media, it can also become a danger. Ce qu'on observe de plus en plus, c'est qu'on arrive à une spiritualité. La spiritualité réelle est remplacée par la spiritualité virtuelle. And one great risk or danger, and which is very rampant nowadays, is that true physical or physical fellowship has been replaced by virtual fellowship, so to say.
Aujourd'hui encore, on croit tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Yes, and nowadays people believe everything they see on social networks. Donc les réseaux sociaux sont devenus un outil de manipulation. And so social networks have also become a tool of manipulation. De calomnie. Of gossip. De la transmission de faux témoignages. And the spread of false rumors. Amen. Yes. Je parle même dans le milieu chrétien. And even in Christian milieux. C'est devenu aussi un objet de grande distraction. And it has also become a tool of great distraction. Amen. Amen. Si tu veux voir juste un exemple, hein, si tu fais une prédication, si tu fais un enseignement, par exemple, comme on fait un enseignement sur quelque chose, par exemple sur quelque chose de spirituel. And for example, if you do a teaching on social network about some spiritual topic or Christian topic, tu n'auras pas beaucoup de vues. Je parle même des enfants de Dieu. On n'a pas des enfants de there Dieu. Will not be many views on this video. Mais si tu fais un post qui parle de qui calomnie ou bien qui un fait qui amène sur la place publique un fait divers. But if you do a video on a topic which is very which is a rumor. I mean, là tout le monde s'intéresse. So everybody will get involved in it. Donc, le problème aussi c'est qu'on croit, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. So the point is also that we should not believe everything we see on social media. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de même je parle de chrétiens, hein, il y a beaucoup de mauvaises rencontres qu'on fait sur les réseaux sociaux. Yes, and I also I'm talking about Christians. Many Christians meet the wrong people on social network. Amen. Amen. C'est-à-dire, je prends un exemple, hein. Parfois tu vas demander à un chrétien qui est ton pasteur. So you can ask a Christian who is your pastor? Tu seras parfois très surpris qu'il va te donner le nom d'un pasteur qu'il regarde sur le net. Sometimes he will mention the name of a pastor whom he is following on the internet. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vu. He never met with this pastor. Il ne connaît pas sa vie. He doesn't know the life of this pastor. Il ne connaît même pas l'état spirituel de son assemblée. And he doesn't even know the spiritual state of the assembly of this pastor. Mais ça devient son pasteur. But this pastor becomes his pastor. Ça devient son leader. He becomes his leader. Amen. Amen. Et c'est comme ça que les dérives commencent. And that's how people kind of been lured away from the truth. Amen. Amen. Les réseaux sociaux c'est un facteur de diffusion de fausses doctrines. Okay, and social networks are also tools of the spread of false doctrine. Amen. Amen. Et ça va, le diable l'utilise très bien. And the devil uses them very, very good. Rappelons-nous que dans la Bible est écrit qu'à la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. And let's remember that the Bible says that at the end of time, people will have itching ears, yearning to listen to things that will satisfy their flesh. Et ils se choisiront des docteurs en rapport avec leur déviance en fait. Okay, and they will give themselves, or they will look for themselves teachers according to the lust of their hearts. Amen. Amen. Et aujourd'hui, quelle qu'en soit la déviance de ta mentalité, quelle qu'en soit, tu vas trouver un prédicateur 2.0 qui va te la justifier. And on the market of social medias, you can find all types of preachers. And if you have a tendency in your heart, you can exactly find a preacher on the internet that will satisfy your tendency or your lustful tendency. Ou toi-même, tu peux devenir un prédicateur 2.0 qui va commencer à distribuer ta façon de penser. Or you can decide yourself to become the kind of preacher who is going to spread preachings that are in accordance with your lustful desires. Faites attention aux églises virtuelles. Let's be careful or watchful about virtual churches. Amen. Amen. Une église que tu ne peux pas localiser. A church that you cannot localize. Où le pasteur est pasteur, prophète ou évangéliste ou même apôtre mais sur le net. Where the pastor is a prophet, teacher, evangelist and all of that, but he's only a virtual pastor. Tu ne connais pas sa vie. You don't know his life. Tu ne sais pas. Il n'a fait aucune preuve que tu peux regarder, aucun fruit que tu peux regarder et sur lequel tu peux t'orienter. You don't know the fruits that he's bearing and you don't actually know how he's living his life.
Amen. Amen. Et tu es sur le net. And you are on the internet. Il parle très bien. He speaks very well, very Après, eloquent. En bas, il te met son PayPal. And afterwards, he gives some contact to transfer money. Amen. Amen. Et c'est à quoi on assiste aujourd'hui. And this is where the world is heading c'est towards. Le danger, tu vois, les gens ne vont plus, ne cherchent plus à être sous aucune autorité. And that is one big danger as well. People don't want to be under any authority anymore. Mais ils préfèrent se rencontrer d'une manière virtuelle. But they prefer to meet in a virtual way. Sous l'onction du Saint-Esprit. Under the anointing of the Holy Spirit. Amen. 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 Et c'est toujours comme ça que les dérives commencent. And that's how people are being lured away from the truth. Je dis toujours, le diable ne va pas venir avec les cornes. Il y a les gens qui attendent le diable avec les cornes rouges et très laids. And there are people who expect that the devil will appear to them in a very awful and ugly way with horns on the head. Mais le diable est le maître de la dissimulation. But the devil is master in dissimulation, deceiving. S'il réussit à te faire changer, à te dévier de l'approche biblique, il t'a pris. And when he succeeds in luring you away from the way the Bible prescribes things should be done, then he has made it. He has succeeded. Amen. Amen. Donc les réseaux sociaux. So social networks. Ne sont pas là pour bourrer le chrétien du monde. So the social network should not kind of drive the world back into the life of Christians. Parce que depuis le temps, le diable a essayé d'infiltrer l'église. Yes, and we need to understand that since the beginning of time, the devil is trying to infiltrate the church. Donc il essaie d'apporter dans l'église, il essaie d'apporter les rudiments du monde, un peu les principes du monde. He's gradually and tactically trying to kind of subtly introduce the church, the world back into the church. Et avec les réseaux sociaux. And with social networks. Le processus est accéléré. The process is very speed up. Amen. 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 Donc ça, ce sont à peu près les dangers qui nous guettent quand on utilise les réseaux sociaux. So those are the dangers that we are exposed to while we are using social media. Amen. Thank you very much, Pastor. I want to jump back on the point, the last point you mentioned. You said that the devil is always trying to kind of subtly introduce the world back into the church. So do you have some practical examples of things that that can happen on social media and how those things can practically find a way back into the church? Okay. Il y a un exemple très simple. Hein? So there is a very simple example. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, when you go on social network, il y a des pasteurs qui sont envoyés par le diable. There are pastors who are sent, assigned by the devil. Amen. Amen. Pour dévier les enfants de Dieu de la sainte doctrine. To lure children of God away from holy doctrine. Amen. Amen. Et ils vont commencer à mixer le monde et la christianité. And they will kind of create a new Christian way of living that is a mixture of the world and some kind of biblical principles. Et ils vont accompagner ça avec beaucoup de paillettes et d'artifices. And they will kind of dress this kind of preaching with very beautiful decorations. Et ça va attirer beaucoup d'enfants de Dieu non affirmés. And because this is so beautifully and properly clothed, that will attract many children which are not very stable in their Christian world. Mais ça peut aussi affecter certains leaders spirituels qui ne vivent pas ce grand réveil, tu vois, qui sont peut-être frustrés. And this can also, this kind of new type of preaching or this kind of new doctrine can also appeal unto some preachers who were very not doing well in their own churches. Imagine-toi un prédicateur, par exemple, qui va s'asseoir et te parler du monde mélangé avec la politique, mélangé avec les problèmes de mœurs, et qu'il va te faire 15 000 vues.
Yes, and just imagine one, let's say a speaker who will kind of create or have a session, a live session on Facebook, and during this live session, he will address some topics, false rumors. He will try to mix the false rumors with the Bible and try to kind of talk about politics and mix all of that. And if you watch, you just look at the amount of views, it's like 1,000. Et tu as un autre qui a pour souci d'amener la parole de Dieu et qui parle des choses vraiment spirituelles pour le royaume des cieux. Il a ses quelques vues. And there is another preacher who is who just want to preach the pure doctrine, who want to speak about what the Bible says, and he just have few views. Et si tu ne fais pas attention, and if you don't pay attention, il va être peut-être influencé. Yes, the preacher with the few views can be influenced by this type of new way of preaching. Amen. Ça, c'est par exemple un exemple. Hein. Oh, that's an example. Un autre exemple. Another example. Il y a des gens qui sont dont, parce que la Bible dit que si la fondation est détruite, que peut faire le juste? Because the Bible says that if the foundation is moved, what can the righteous do? Donc il y a des gens, effectivement, hein, il y a des gens qui sont tellement confus dans leur fondation parce qu'ils écoutent beaucoup, parce qu'ils se nourrissent abondamment du net, des réseaux sociaux. Yeah, there are people, for example, who are so confused about their belief because they get spiritual food from every preacher on the social networks. Amen. Ils sont nombreux. Tu rencontres partout. There are many of them. Amen. Amen. Et ça aussi, ça c'est un exemple clair. Hein? Yes. And this is very practical example. Amen. Amen. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui sont déroutés parce qu'ils ont devenu des prédicateurs 2.0. Okay. Yeah. And there are people whom I met and they were lured away from the truth because they themselves became such preachers. Parce que dès qu'il l'a donné, dès que tu donnes ta vie au Seigneur, because the moment you give your life to Christ, directement tu te mets devant Facebook et puis tu devant devant ta caméra et puis tu fais des émissions. Suddenly here you go launching Facebook lives and preaching your gospel, so to Amen. Say. Et parce que tu veux te faire voir, il y a beaucoup de gens qui viennent te regarder. And because you just want to be seen or to show off, many people click on your videos. Mais parce que t'es pas solide. But because you are not really stable in your relationship with God. C'est très superficiel. And what you're doing is very shallow. Et quand la première tempête arrive, ça te dépose. And when the first tempest, the first storm arises, then it takes you away. Amen. Amen. Donc il y a beaucoup d'exemples qu'on peut prendre. So there are many examples that we can take. Mm. Yes. Pastor, thank you very much for this. Il y a par exemple encore un autre exemple. Il y a des gens qui ont fait de comment dire en français des faits divers leur fonds de commerce chrétien. Yes, for example, we can also take another example is that there are people whose main task has become to spread rumors on the internet. Amen. Amen. Raconter des trucs négatifs envers les pasteurs, mentir sur leur nom, créer des histoires. They spread false rumors on pastors, create fake stories on pastors and spread it on the internet. Et ils deviennent très populaires. And they are very popular. Amen. Amen. Mais tout ça c'est la perdition en fait. But actually the end of all of this is just perdition. Amen. Amen. Wow, thank you very much, Pastor. And yes, what about the aspect, because we've been talking about the negative influence, the possible negative influence or the dangers of social media. What about the use of our time? Why do I ask that? Because the Bible says that we should redeem the time because the days are evil. Do you think that one possible danger could also be that the waste of time, just the waste of time? Oui, c'est ce que j'ai dit. Les réseaux sociaux, ce sont des instruments. Si tu ne fais pas attention, mm-hmm. So social network is a tool, and if you don't, you're not careful, tu seras addictif. Tu peux être addictif. You can become addicted. C'est un trop grand. Il faut toujours se dire, le diable veut nous distraire aussi. So we always need to keep in mind that the devil aims at distracting us. Amen. Amen. Donc les réseaux sociaux ne doivent pas devenir un outil de distraction. So you shouldn't allow that the social network becomes for you a tool of distraction. Amen. Amen. Parce que si ça devient, en fait, tu dois toujours te dire que dans les réseaux sociaux, on vit dans un monde un peu virtuel.
Yeah, and you always need to keep in mind that when we talk about social network, we are referring to something very virtual. Et que tu dois faire un effort de rester dans le naturel parce que Dieu n'est pas un ami du fake. Amen. So and you need to really endeavor to always keep in mind that you should remain in the reality because God is not a friend with fake things. Amen. Amen. Et les réseaux sociaux c'est quelque chose de très virtuel. And social networks are very virtual. Amen. Amen. Alléluia. Donc c'est toujours, il faut toujours faire attention de ne pas être addictif. So you always need to make sure not to become addicted. Et toujours de les réseaux sociaux ne remplaceront jamais une vraie rencontre. So and the social network or a meeting on social network will never replace a physical meeting. Et une église, une assemblée virtuelle ne remplacera jamais une assemblée locale. So a virtual assembly or a virtual gathering of Christians will never replace a physical gathering of Christians. Les prédications sur le net ne remplaceront jamais la prédication qui vient de mon pasteur en présentiel. Amen. And the preachings that I follow on the internet will never replace the life or the physical preaching of my pastor face to face. Amen. Amen. Parce que quand tu vas dans Hébreux 6, because when you turn your Bible to Hebrews chapter 6, quand l'apôtre te dit on ne doit pas poser de nouveaux fondements, lisons un peu ça. Yeah, when we turn to Hebrews chapter 6, when Paul was saying that we should not lay new foundations. Et c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Hebrews chapter 6 verse 1 to 2. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards God, of the doctrine of baptism and of laying on of hands and of resurrection of the dead and of eternal judgment. Amen. Amen. Une imposition des mains. So the laying off of hands ne peut pas se faire d'une manière virtuelle. So somebody cannot virtually lay hands on you. Oh, pose la main sur ton écran. Oh, put your hand on your screen. C'est pas biblique. This is not biblical. Amen. 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 La communion fraternelle que vous voyez là. So fellowship. Ça ne peut pas se faire ça ne peut pas se faire complètement sur les réseaux, d'une manière virtuelle. It cannot only be visual. On a besoin de se voir. We need to meet in person. On a besoin de se toucher. We need to get in touch with each other. Physically get in touch with each other. C'est en fait l'une des leçons du coronavirus. So that's one lesson that we can learn from Corona. C'est que le fait qu'on a confiné les gens. So is that the fact that we went through some times of lockdown? Ça a montré aux gens la nécessité de se rencontrer, quoi. This created or this opened the eyes of people to the necessity to physically meet with each other. Amen. Amen. Donc le virtuel ne peut jamais remplacer le naturel. So the virtual, virtual fellowship can never replace natural or physical fellowship. Amen. Et sachons utiliser notre temps. And we need to know how to use our time. Amen. Amen. Alléluia. Thank you, Pastor. This is because this is a very practical topic. It's not like a conveying of theoretical knowledge. We are talking about, we're dealing with very, very practical stuff. And so will the question also be. So you said that we should make sure, yes, you mentioned about the fellowship. It shouldn't be just virtual. People need to meet in person. Okay, so that the solution to this first danger of I'm trying to summarize the solution to the danger of replacing physical fellowship by virtual fellowship is just to make sure that we meet physically. If I can summarize. Oui, mais quand non, oui. Ça fait une partie, mais nous devons sortir du virtuel. Okay, so we need to get out of the virtual. C'est un état d'esprit en fait. Okay, virtuality is a mindset.
Amen. Mm-hmm. Je dois comprendre que les amitiés virtuelles ne remplaceront jamais les amitiés naturelles. Okay, I need to understand that virtual relationships will never take the replace physical or natural relationships. Amen. Amen. Une intimité virtuelle ne remplacera jamais une intimité naturelle avec Dieu. So a connection, a virtual connection with God will never replace a physical or real connection with the Lord. Amen. Amen. Alléluia. Yeah. Donc on doit ramener tout, on doit toujours amener, avoir une église virtuelle ne remplacera jamais une église naturelle. So a virtual church will never replace a physical church. Amen. Amen. Ton pasteur ou ton leader doit être quelqu'un de naturel, doit être, tu dois le connaître naturellement. Yes, so your pastor or your leader should be someone that you can approach physically. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en fait, les réseaux sociaux nous ouvre la porte, une grande porte au libertinage. Yeah, so what social network created, they opened the door to what is called libertine or libertine. Amen. Et c'est contre ça que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous mettre être en opposition avec. Yeah, and that's why as children of God we are really contending or fighting against. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, if you want to give your life to Christ, tu dois chercher une assemblée. You need to look for a physical assembly. Tu dois chercher un pasteur. You need to look for a pastor. Ah. Pray God to send you to Alléluia. A pastor. Amen. Le dimanche quand tu vas le dimanche tu pour aller à l'assemblée, pour aller au culte. And to go to church. Rien ne remplacera jamais le fait que tu dois te lever le matin. Tu dois te préparer et tu dois aller au culte. And that nothing will ever replace the fact that you need to wake up in the morning, get dressed up and go to church. Amen. Amen. Cette histoire de te lever le matin, mettre un peu d'eau sur ton visage et cliquer et allumer ton ordinateur, tu es déjà à l'église, c'est quelque chose de très dangereux. Okay, on this new tendency or this rampant tendency of just waking up on Sunday morning and clicking on the link that was sent to you and you just land on the platform of the service is a very dangerous tendency. Dieu n'est pas un adepte de la paresse. God is not a fan of laziness. Amen. Amen. Les réseaux sociaux, ça doit être un complément au naturel. Yes, social network should be a kind of a complement or complementary, should be used complementary to what we are already doing physically. Alleluia. Amen. Mais pas l'inverse. But this it should never replace the physical meeting. Amen. Thank you, Pastor. I have one second to the last question before we get into practical solution, because we spoke about the dangers and the risk, and before we get into the part of talking about what are the advice for us children of God to really. Yes, you're right. There are some few points that we will address on that last part. So this is very practical question. When you say that we need to make sure that we use our time in a very wise way on the social media, do you have an advice on how to really handle your time on social media in such a way that you don't get addicted? Because sometimes addiction is sudden. You until you are addicted, okay, sometimes you don't notice that you okay. become addicted. Comment est-ce que tu sais que tu n'es pas addict à quelque chose? Okay, how do you know that you are not addicted to something? Quand tu peux t'en passer. When you can get rid of that. Amen. Amen. Vous savoir, est-ce que tu peux vivre une journée sans ton téléphone portable? Can you, for example, this is the question you need to ask yourself. Can you live one day without your mobile phone? Alléluia. Amen. Donc parfois c'est une question qui est vite répondue, mais très difficile hein, en réalité. Yes, so sometimes people can give quick answers to these questions, but we need to, it's not that easy. De temps en temps, il faut se sévrer. Des réseaux sociaux. Yeah, so that's your advice, right? From time to time, it would be good that you sever yourself, that you just get rid of social media. Amen. Amen. Pour prendre un peu de temps dans l'intimité avec le Seigneur. Yeah, so you can do, you can get rid of social media for a time to get deeper with you in your relationship Amen. With the Lord. Et ce que je veux aussi dire. And what I also want to say. C'est un peu comme la télévision. Is for example like television. Parce que la télévision, quand tu prends la télévision et que tu mets chez toi, par exemple. Yeah, because when you have a TV in your home. C'est la première porte d'entrée du monde dans ta maison. That's the first door open to the world in your house. Donc en réalité, tu, même si tu dis que tu n'es pas de ce monde, tu vis dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Quand tu as par exemple la télévision chez toi et que tu l'allumes et que tu hein,
En fait, ce que tu fais, c'est que tu invites le monde chez toi. Yeah, okay, so you can say that yes, you're not of the world and so on, but once you have a TV set in your house, this is the first invitation to the world into your house. Amen. Il y a des gens qui ont, avec les nouvelles technologies maintenant, tu as le Netflix, c'est-à-dire tu peux voir, tu as Netflix, tu as ceci, dès que tu as la télévision chez toi. Yes, and with new technologies, there are many TV programs that you automatically or that you can register to on your TV, and this is the first, one of the first doors that invited the world into your house. Moi, ce que je peux donner comme, c'est que déjà avec la télévision, il faut éviter d'en avoir. Il faut éviter d'en avoir. Okay, so my advice is that first of all, TV, you should do away with that. Amen. Amen. Je n'en ai pas et je suis très heureux avec mes enfants. And I'm happy with that. La deuxième chose, c'est que il faut apprendre à faire des choses naturelles, des choses simples. Il faut revenir aux choses simples. Amen. The second thing is that we need to learn to come back to simple things. C'est-à-dire, yes. Je prends un truc simple. Hein. Peut-être tu peux avoir chez toi un petit box. So in your house you can have a kind of a box. Amen. A little box. Ou tu peux dire ok, pour une journée quand vous rentrez, tout le monde dépose ce portable dans un box. Yes, and you have this box and do you just create a rule in your house that when everybody gets back home, you put your smartphones in this box at home. Et vous prenez le temps entre vous. And you just spend time together as a family. Avec ta famille, le temps de qualité. As a family, quality time. Amen. Amen. Donc, il y a toujours des astuces. Comment est-ce que je peux faire pour ne pas être addictif, pour ne pas céder à l'addiction? Yeah. So, and there are many techniques and tools that you can use not to become addicted to new technologies. En fait, le mot clé c'est la discipline. Okay, so the key word here is discipline. Il faut se discipliner vis-à-vis des réseaux sociaux. You need some discipline in the use of social media. Tu dois media. Te discipliner dans ce que tu regardes. You need to discipline yourself in what you allow you watch. Tu dois te discipliner du temps que tu donnes. You need to discipline yourself in the time that you spend on social networks. Amen. Tu dois être discipliné de qui tu regardes. You need to discipline yourself on what you watch or the people you follow on social networks. Amen. Amen. Wonderful. This is the answer. This is great. So my last question will be, Pastor, you mentioned at the beginning that we can use. Okay, we can use social media as a tool to outreach. Mm-hmm. Yeah, because we have been on the defensive. We've been saying, be careful, be watchful about this and that. But how can we basically use this tool that actually the world is using in a very detrimental way? How can we use it to foster the culture of the kingdom on the internet? Amen. Amen. Moi, par exemple, si tu regardes ma page Facebook, so I, for example, if you have you throw a look on my Facebook page, 98%. 98%. Je veux dire 99,98%, on va dire. 99.99%, I will say. De tout ce que je poste. Of all what I post on my wall. C'est un rapport avec les choses de Dieu. It's linked to the Christian stuff. Amen. Amen. Les 0,2%. The 0.2% that are remaining. Parfois les petites déclarations que je fais à mon épouse, pour mes enfants. Okay, this could be yes messages to yes my family or my wife. Mais le reste du temps, tout ce que tu regardes sur ma page a un rapport. Ce soit nos cultes, nos prédications, nos citations, c'est tout ce qui a un rapport avec la parole de Dieu. Yeah, so if you look at my page, the quotation, the quotes, or everything I post on my Facebook wall, it's linked to biblical things or stuff. Amen. Donc on peut utiliser les réseaux sociaux d'une manière objective pour la gloire de Dieu. So we can. C'est un acquis. We can use social media in a very rational or very useful way to foster the kingdom of God. Mais c'est un choix. But it's a choice. Amen. Amen. C'est un choix. Amen. Amen. Yes, sir. Wonderful. That's a great answer to that question.
Yeah. So, Pastor, do you only have Christian friends on your Facebook? No. Okay. So, how do you use the social media to bring the gospel, for example, to these non-Christian people? How do you do that practically? Because I suppose that if you have friends on Facebook with non-Christian people, maybe your goal would be to reach them with the gospel. How do you do that practically, or how can you advise someone to do that? Je vais prendre juste un exemple, c'est pratique. I will take a practical example. J'ai beaucoup j'ai des amis que je connais et d'autres que je ne connais pas. Okay. Facebook. On my Facebook account, I have people who are my friends on Facebook, which I know, and there are those I don't know. Il y a d'autres que je connais qui ne sont pas chrétiens. And there are some of them I know, of which I know they are not born again. Ça peut être des collègues de travail. It could be my colleagues from work. Quelqu'un qui m'a peut-être suivi, qui m'a peut-être regardé une fois, qui veut me suivre. Maybe someone who watched one of the videos and then who wanted to follow me. Ce que j'ai remarqué. What I have noticed. Par exemple, j'ai beaucoup de collègues de travail. I have a lot of colleagues. At work, qui me disent, qui m'ont souvent dit, who usually told me, ah, mais je suis très surpris, je regarde souvent ton actualité sur Facebook. Yeah, surprisingly, I follow you on Facebook, your activities on Facebook. Amen. J'ai même rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais j'ai écouté ta prédication, tu es chrétien, je ne savais pas. One of my colleagues said, ah, I listened to one of your preaching, oh, you're a child of God, I didn't know. Amen. Donc, en fait, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que parfois, tu ne marches pas dans ton travail. Tu dis, oh, je suis chrétien, regardez-moi. On ne fait pas le voyeurisme. Okay, so sometimes there are people at your job place who might not know that you're Christian, maybe because you've never got in touch with them or presented yourself or boasted in front of them, I'm a child of God. Amen. Amen. Mais à travers ton actualité, but through your activity on Facebook, ils commencent à comprendre quel genre de personne tu es. They kind of understand or fathom which kind of a person tu sais, you are. Quand tu es, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. The Bible says that we are the light of the world. Amen. Amen. Il y a des gens qui, quand tu brilles, okay, there are people that when you shine, ils te regardent, ils savent l'origine. They look at your light. Yes, and they know where does the light come from. Ah, oh, ça c'est le Saint-Esprit. And they know, oh, that is the Holy Spirit. Il y a d'autres, tu brilles. There are some other people, they shine, you shine. Mais ils ne savent pas ce qui se passe. Okay, you shine, and some other people do not understand where does the light come from. Amen. Amen. Mais quand ils regardent ton actualité, but when they look at your actual, ils commencent à mettre un mot. Your activity on Facebook, they begin to kind of, they find a missing piece to the puzzle. Amen. Le problème, c'est, et ce n'est même pas seulement sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'un enfant de Dieu devrait toujours, quelle qu'en soit la situation dans laquelle il se trouve, de trouver toujours, demander toujours au Seigneur, Seigneur, donne-moi un moyen, ouvre-moi une porte, que dans cette situation, je te fasse te glorifier. Yes, and a child of God should always, in his dealing with social media, come to a point where he or she asks the Lord to grant him the ability or the grace to really find the door to glorify the Lord in his use of social media. Amen. Amen. Mais pas seulement, je veux dire en toutes choses. In everything, actually, not only in the use of social media, but in everything that we do. Amen. Amen. Mais crois-moi ou pas, sœur Elvie, il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux qu'on ne connaît pas. But believe me or not, there are many people who follow us on the social media of which we know nothing about. Amen. Amen. Et que l'actualité que tu poses peut impacter la vie. And so your activity on Facebook or your actuality can actually impact or influence your lives. Mais l'évangélisation ne peut pas être que virtuelle, comme j'ai dit. Amen. But evangelization or outreach cannot only be virtual. Donc il faut toujours dépasser l'étape du virtuel pour aller dans le naturel. So you always need to make sure that when you're done with the virtual part of it, then you get into the natural, the physical part of it. Le virtuel peut créer ce que les Anglais appellent, on appelle en anglais le awareness. Yeah, so the virtuality or the fact of reaching out in a virtual way can create an awareness. Mais il faut rentrer dans la réalité pour prêcher Christ. Amen. But we always need to get back to the reality so we can spread the gospel of Jesus Christ. Mm-hmm. Amen. 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 And amen. Yes, I think we are drawing near to the end of this
very interesting and captivating topic from the beginning till the end. I was devouring every answer because this is also a blessing to my soul. And I know that there are many people out there who always who ask themselves those questions. You know, maybe they are not bold enough, or they are not courageous, or they don't find the opportunity to ask them. But tonight you were served. So we have learned a lot of things. We have learned how dangerous social media can be. It can cause us to become addicted. It can create lack of accountability. It can expose us to what is unholy. And we have also learned that it can defile us. If we don't select what we watch, it can create wrong doctrines and get us lured out from away from the truth. And we have also heard how to deal with social media in a way that we glorify the Lord, how to avoid certain stuff on the internet so that we will not be defiled. And at the end, we had a very conclusive word about how to use social media to outreach people who are out there and to be a blessing to all of them. So, Pastor, do you have a word of conclusion for us? Tout ce que je peux dire, c'est que les enfants de Dieu doivent faire un effort de ne pas trop s'éloigner du réel. Yes, so one thing I would say as a word of conclusion is that children of God should endeavor not to get lured away from the reality, so to say. Amen. Et nous ne devons pas nous accommoder à ce monde. And we should not be conformed to the tendencies of this world. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Nous ne devons pas aller selon l'actualité et la mouvance du monde. We should not follow the trends of this world. La Bible dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification, ce sans quoi personne ne verra. The Bible says that follow peace with all men and holiness, without which no man can see God. La sanctification doit rester notre objectif premier. Holiness should be our uttermost goal. Le caractère chrétien doit être notre but. And the Christian character or behavior should, to develop a Christ-like character and behavior should be our main goal, our purpose, Amen. Our goal. Amen. Amen. Et pour cela, on a besoin d'une intimité réelle avec Christ. And for that, to achieve that, we need a real intimacy with Christ Jesus. Nous devons éviter les distractions. We need to avoid to get distracted. Et des perditions. And we need to avoid to be perdition. Et les réseaux sociaux peuvent être un outil de bénédiction. So social network can be a tool of blessing. Mais aussi, ça peut être un bon outil de destruction. But it can also be a tool of destruction. Nous avons besoin de la sagesse. We need the wisdom pour faire la bonne balance. To keep the right balance. Je crois que c'est tout ce que je peux dire pour la conclusion. So that will be the word of conclusion. Amen. Thank you very much, Pastor. I feel in my heart that we should pray because all of these things are. We have many categories of viewers. There are people, for example, who know how to deal with social medias. They know what to watch and what not to watch. They're good. There are also people who are already addicted or might have discovered through this teaching that they are already addicted. And there are some categories of people who are still thinking about joining social medias and who maybe might be afraid because they don't know what they will find on it. So can we pray for all these people viewing that the Lord will help them? Amen. Amen. Si tu as dit, avant qu'on ne prie, hein, yes, before we pray, faire une remarque. Mm-hmm. Si tu es accro, si tu es une addiction, mm-hmm, à quoi que ce soit. Mm-hmm. If you are addicted to anything. Ça veut peut-être dire qu'il y a une forteresse qui s'est développée. It means that there might be a stronghold somewhere which has been built. Amen. Amen. Et là, tu as besoin de délivrance. And then you need deliverance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu es aux alentours, hein, si tu es pas loin de Wiesbaden. Yes, and if you're around, you're living around here, or you're not very far from Wiesbaden. Amen. Tu Amen. Peux toujours nous rendre visite. You can visit us. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu. Amen. The power of God. Est vivante. The power of God is alive here. Amen. Amen. Donc tu peux toujours nous contacter. So you can reach out to us. Amen. Tu Amen. Peux nous appeler. You Amen. Can call us. Et on va t'aider du mieux que nous pouvons par la grâce de Dieu. And we will attend to you to the best of our ability by the grace of God. Amen. Si Amen. Tu as besoin de plus d'informations. And if you need more information. Amen. Amen. Il faut prendre la tâche avec nous. You can also reach out to us. Amen. Amen. L'adresse de l'église va s'afficher d'un moment à l'autre. Yes, so you will have the contact details.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va prier. So we will pray. Seigneur Dieu, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu d'amour, Seigneur, nous te disons merci. Ô Père éternel, en ce moment, Seigneur, il y a quelqu'un au moins qui a écouté cet enseignement qui a été béni, Père éternel. Mais il y a aussi quelqu'un qui a peut-être écouté cet enseignement et qui a compris qu'il était dans un grand danger avec les réseaux sociaux. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu ouvres leur entendement, Seigneur. Que tu ouvres leur esprit, Père éternel. Et Seigneur, que tu les délivres, Père. Délivre-leur de l'addiction, Père éternel. Ô Seigneur, je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui font une mauvaise image et usage des réseaux sociaux. Seigneur, que tu étendes ta main, Seigneur. La Bible dit que l'esprit est fort, mais la chair est faible. Seigneur, la tentation, Seigneur, je prie, Père, que nous ne tombons pas dans la tentation des réseaux sociaux, Père éternel. Sois béni. Sois magnifié, Père éternel. Seigneur, nous mettons ce peuple en tes mains, Seigneur. Nous les remettons en tes mains, Seigneur. Et nous prions, Père éternel, que tu leur donnes la sagesse. La sagesse, Seigneur, de marcher dans ce monde, Seigneur, tout en regardant vers le ciel, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, permets-nous de sauter tout obstacle, Seigneur, qui nous ramènerait au sol, Seigneur, car nous devons nous élever en assaise, Seigneur. Nous allons nous élever, Seigneur, au niveau de l'Esprit, Père. Sois béni, sois magnifié, sois glorifié, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.